Alors voilà. Bien sûr, vous connaissez déjà bien des histoires. Des petites histoires. Des histoires drôles. Des histoires de fous. Sans queue ni tête. Des histoires pour dormir debout. Des histoires pour rêver assis. Des histoires louches. Des histoires de voir. Et surtout, surtout, surtout des histoires d'humour. Chaque chat et chaque chat a mille miaulements différents. Pour les mille moments différents. Des mille heures différentes. Des mille jours différents. Des mille ans différents. Des mille vies différentes qu'ils vivent. Dans leurs mille salles de bain avec toilette. Puis leurs mille gros besoins ensuite. Ils tirent leurs mille chasses d'eau. Et rabattent les mille couvercles en mille mêmes temps. Alors voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui habite avec son grand-père. Et ce petit garçon, petit à petit, devient un petit peu moins petit. C'est-à-dire que c'est toujours un petit garçon, mais imperceptiblement, il prend quelques centimètres. Et les manches de ses pulls sont devenues trop courtes. Vers une enseigne lumineuse et colorée, Magic Basket. Quinca pour le grand-père à cause de son âge. Et quinca pour le petit-fils à cause de ses baskets. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Je m'appelle quoi? Quoi? Chut, après, psst, ah, plus rien. Chut, rien du tout. Silence. T'as compris? Oui. Oui, qui? Oui, quoi? Tu t'appelles quoi? Pourquoi quoi? Bah, c'est le nom que m'a donné la maman de moi. L'arbre, il est pas très grand, mais un arbre, ça peut devenir très, 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 très grand. Un arbre peut cacher le soleil. Mais au début, il est tout petit. Il est même plus petit qu'un petit pois. Et après, l'arbre devient immense. Il y a deux choses que l'arbre préfère par-dessus tout. C'est faire de l'ombre et rêver. Il paraît que quand un nounours se fait coincer dedans, on ne le revoit plus jamais. Oh, je crois que c'est ce qui m'arrive. Je peux gigoter, mais je peux plus m'enfuir. Oh, je la vois. Elle bave par ses gonds. Elle salive. Elle frappe avec sa poignée en fer forgé par des ogres dans des souterrains. Oh, oh, à fond, à fond. Poussez-vous. Écartez-vous, poussez-vous. Dis donc, t'as fini ton assiette d'épinards à la crème de nouilles? Bon, et toi, tu vas te laver les mains. Pardon? Comment? Moi, j'ai les mains sales. Et alors? C'est normal, je suis une adulte. Hé, hey, vous allez au lit, vous éteignez tout de suite! Et elle prend le chemin du retour, penchée, du côté où pèse le cabas. Il est lourd. Elle s'arrête pour ne pas tomber. Elle tremble pour rester debout. Personne ne la remarque. Non, personne. Exactement. Mais alors, dans ce cas, pourquoi? Absolument. Attends. Et pourquoi? Mais pourquoi c'est fini? Et pourquoi c'est fini? Parce que c'est fini. Ah bon? D'accord. Oui, mais pourquoi? Parce que. Ah. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On y va. Voilà.